this Duke King Julius style. Salutations les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre second épisode sur Dorf Romantic. Nous allons essayer de continuer notre petite progression et de nous découvrir les quelques nouvelles tuiles que nous avons réussi à débloquer la dernière fois. Voilà, j'ai commencé une petite partie. Il me semble que c'est la partie qu'on avait fait ensemble. Je vois pas pourquoi ils m'ont dit de reprendre alors qu'on l'avait terminé. Ah bah il me reste une tuile. Ils sont sérieux ou quoi? Je sais pas pourquoi ils m'ont remis là-dessus. Je vais la foutre ici. Voilà, je vais faire réessayer. Meilleur score. Ou à moins que ce soit un autre. Ah, c'est peut-être un autre village. Je sais pas, c'est bizarre. Et là, j'avais pas fini mon drapeau et tout. Écoutez, on va faire réessayer. Alors, je vais pas vous montrer non plus toute la partie. Parce que je me suis rendu compte la dernière fois que j'avais joué pendant je sais pas combien de temps. Plus d'une heure et quelques. Donc, j'ai dû bidouiller... Et couper un petit peu pour pouvoir faire en sorte que ça tienne en un épisode d'environ 45 minutes. Donc là on a un petit bateau, je vais le mettre ici et compagnie. Et ce que je vais essayer de faire c'est de combler toutes les tuiles et pas de m'étendre et de laisser des espaces vides. Histoire d'empocher des points et si je peux faire des placements parfaits en ayant complété tout un tour ce serait pas plus mal. J'ai cru que le bateau suivait là où j'allais mettre mon village. Alors, par contre, je vais avoir une voie ferrée, ce qui va être un peu contraignant. Je vais mettre ça par ici. Et puis là, il me faudra encore un spot d'eau. Donc, je vais essayer de mettre ça. Je vais essayer de mettre ça en place. Là, ça va être un peu embêtant parce qu'il va me falloir trois maisons. Mais si je mets ça du côté de la voie ferrée, ça va peut-être pas forcément m'aider. Je vais me décaler de ce côté histoire d'être tranquille et puis ma foi c'est parti messieurs dames. Alors sachant aussi, tant que j'y suis, si j'arrive à fermer et à faire en sorte que mes petites plaquettes, mes tuiles soient les unes à côté des autres, ça va me permettre d'en récupérer d'autres derrière. Donc faut que j'évite de trop vouloir m'étaler comme la dernière fois. Et il faut que j'arrive aussi à fermer tout ce qu'on me demande. Petite voie ferrée, je vais mettre ça par là-bas. Comme ça, le train il pourra faire chouchou. D'ailleurs, les défis qu'on a là, c'est crack 2. Collecter 25 000 points au total. Terminer 5 sessions avec un score d'au moins 5000. Donc je suis à 3 sur 5. Et poser 2000 tuiles au total. Ok. Heureusement que c'est pas en une seule partie. Ok, j'aurais fait un placement parfait en mettant cette petite tuile, donc tant mieux. Et là, faut que j'aille mettre de la forêt, je vais aller agrandir ma petite forêt là-bas. Là, il y a une voie ferrée, je vais la faire tourner. Ok, rend un placement parfait. On va mettre ça par ici. Je vais peut-être foutre ma lavande de l'autre côté. Ok, mur, je vais accomplir encore un petit défi là. Je vais peut-être mettre ça par ici. Là, je vais remettre un petit train. Je vais le faire partir dans l'autre sens. Alors, ça se passe plutôt bien, faudrait que j'arrive là, j'aimerais bien refoutre un petit bloc d'eau. Histoire de... qu'il y ait une étendue d'eau un peu plus élargie. On va mettre ça comme ça. Alors pour le moment, pas de défi drapeau. Là j'aimerais bien trouver une tuile pour refaire partir aussi de l'autre côté. Ma voie ferrée, histoire de pas me gêner. C'est pour ça que là pour le moment je mets pas grand chose. Donc là il me faudrait 13 maisons. Et là je vais pas pouvoir me servir de celle-ci. Je vais peut-être venir et commencer à mettre ça par là. Et là j'ai le barrage de castor. Ah ouais, je pourrais mettre ça là comme ça. Ça va faire une forme un peu bizarre mais... Ouais, comme ceci ça fait aussi un peu bizarre. Je vais mettre ça là comme ça.
Ah, merci bien. Là, faut que je rajoute ma petite maisonnette. Donc, on va mettre ça là comme ça. Ah, le cours d'eau. Ah, c'est dommage que je puisse pas coller le champ avec l'autre. On va partir de ce côté. Là, j'ai juste un petit champ à mettre. Vu que c'est de la lavande, on va poser ça là. Alors, des fois, j'ai même des spots de lavande en fonction de là où je les mets. Et si je me mets avec d'autres blocs qui changent de couleur. Là, on va faire tourner notre voie ferrée. Je vais en faire autant ici. Comme ça, si je peux la faire repartir, aller sclipser sur l'autre, ce serait pas plus mal. Et. Ah ouais, là, j'ai un gros tronçon d'eau, mais. J'ai peut-être arrêté. J'ai peut-être, ouais, la faire repartir comme ceci. J'aimerais bien faire un bon spot de rivière qui fait tout le tour. Ah, c'est un peu complicado là. Là, je peux pas la mettre. Je vais partir par là. Voilà, parfait. Là, comme ça, je complète un peu. Ah, là, il me faudrait des maisons. On va mettre ça là comme ceci. Un petit bout de voie ferrée. Ah, ouais, je peux pas faire tourner dans l'autre sens. Là, je peux pas le mettre parce qu'il faudra un morceau de rivière. Ah, je pourrais mettre ça dans ce sens. Ça viendrait compléter avec mon petit champ et à voir ce qu'on pourra en sortir ou non. Ça, je vais le mettre comme ceci. L'étendue d'eau. Je vais faire ça comme ça. Voilà, merci bien. Et là, ça va déboucher sur une grosse étendue d'eau. Je pourrais peut-être venir. Ouais, me mettre ça. Voilà, j'arriverai pas à faire tout le tour si je la fais tourner, mais. Quoique là. Ça me semble pas mal. Comme ça vient compléter mon village. Et là, il y a un peu plus d'eau. Donc là, on a un bout de voie ferrée. Bah, je voulais le faire pivoter comme ceci, donc c'est pas plus mal. Ah, je pourrais mettre un. Ah, je pourrais mettre ça. Non, énorme. Et je peux mettre ça là comme ça alors. Bah, je vais le mettre ici, hein. Ça m'embêtera moins et comme ça je peux clôturer. Donc, c'est pas plus mal. Et là, je me demande si. Il faudrait que j'arrive à faire communiquer mes deux tronçons de forêt là. Je vais mettre ça par ici déjà pour commencer. Donc là, je peux pas le mettre. Je pourrais mettre ça par ici. Je pourrais venir mettre ça là, mais ça va pas m'aider. Je pourrais venir mettre ça de ce côté. Je vais essayer de faire tout le tour pour venir me clipser ici. Et il faudrait que j'arrive à fermer mon étendue d'eau par ici, ce serait pas mal. Ah, petit bout de forêt. Quoique. Peut-être mettre ça là comme ça plutôt. Ah bah écoutez, ouais, je suis reparti pour vous faire partager tout ça sur le long terme, mais. On va essayer de s'en tenir à ce qu'on a dit et on se retrouvera que pour les moments qui sont vraiment cruciaux. Alors, je vais mettre mon petit train de l'autre côté, ce serait peut-être pas plus mal. Je sais pas comment ça va se passer s'ils vont se croiser là. Ok, mur, voici où on en est. Faut que je finisse et que je complète mes champs là, faut que j'arrive à en mettre 3. Ah, faut que j'arrive à en mettre 3 et ah, je vais mettre ça là dans ce sens. Ça, je vais pouvoir déboucher ici. Donc là, j'en validerai un, mais pas l'autre. Donc on va essayer de se décaler ailleurs. Quitte à mettre ça peut-être par là. Alors, j'essaie de pas trop m'étaler. Là, j'ai encore une bête, une immense forêt à faire. Voilà mon petit cours d'eau, ce qui est plutôt sympathique. Là-bas, faut que je finisse mon village. Eux, ils veulent toujours des petites rails. Je vais peut-être leur mettre un petit bout de forêt ici. Ah là, machin. Ah là, et par contre, ouais, faut que j'arrive à en mettre. Ah, faut que j'arrive à en mettre un seul. Et qu'il soit dans le long. Putain, je vais m'éclater parce qu'avec le petit que j'ai foutu ici. Ah, ça va me coinsouiller légèrement. Donc à la rigueur, je vais me foutre mes champs ici. Vous avez vu, là, ils sont changés en lavande. Et je pourrais mettre un petit lac ici. Mettre un petit lac.
Ça va me faire des points en plus. Ah là, faut absolument que je mette que deux maisons. Donc à la rigueur, je vais mettre tout le pâté ici. Et là, faut que j'arrive à en mettre que deux. Là, ça va pas le faire. Il y en a trois. Là. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, il m'en demande que deux. Mais on en voit trois sur ma tuile. Et si là, j'en mets trois, il m'en faut aussi deux. Mais ça valide pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Là, il m'en manquerait qu'une. Je vais pas mettre celle-ci. Je vais mettre ma petite maisonnette. Ah, tiens, je vais mettre une maison perdue dans la forêt, tiens. Donc là, ça valide toujours pas. Je vais mettre ça ici. Il faudrait que je pense à fermer mon village, peut-être. Et là, faut que j'arrive à mettre du cours d'eau. Donc là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Il faudrait que je trouve un truc comme ça, mais que ça en soit qu'un seul et qu'il soit tout long. Ça m'aiderait plutôt. Je vais mettre celui-là ici. Là, faut que je mette des tronçons de forêt. Donc, je vais venir mettre ça là. Là, il me fallait qu'une seule maison. Ah non, il m'en faut deux. Ah, je vais fermer mon village ici. De la voie ferrée. Parfait, comme ça je vais pouvoir. Je sais pas si là je vais pouvoir pivoter. Non, je peux pas le mettre dans l'autre sens. Et là ça me fait. Ça me fait tourner. Quoique là je pourrais m'amuser à essayer de faire que le tour comme ça. Hein. Si c'est trop compliqué. Je vais voir. Je vais déjà faire remonter ma voie ferrée par ici. Ah bah écoutez, je continue à faire avancer les choses, puis on se retrouve après. Ok, j'ai fait un petit parfait pour finir. Alors j'ai rien débloqué pour le moment et je commence bientôt à être à court de tuiles. Ok, je viens de récupérer des tuiles en complétant mon petit défi là. Je suis remonté à 21, il m'en faudrait 4 autres. Là, c'est un petit peu long. J'ai loupé des placements parfaits également. Là, je suis toujours embêté avec mon champ. Il me faudrait vraiment ça, mais avec une seule traite et une seule ligne. Alors, je vais compléter mes petits champs de lavande par ici. Il faudrait que j'arrive à mettre aussi un petit tronçon là-haut. Ah, il en faut 11. Et là, il y en a de plus. Je peux peut-être foutre ça de ce côté à la rigueur. Voilà, merci bien. Je peux pas le mettre de ce côté, mais je peux le mettre ici. Comme ça, j'ai un petit bateau. Voilà. Là, je peux me mettre un petit. Je peux pas le fermer là, c'est dommage. Je peux pas le mettre là non plus. Je peux peut-être fermer ici comme ça. Voilà, continue ma petite forêt. Là. J'ai un tronçon de voie ferroviaire. Je peux pas le mettre là, dommage. Si en tournant comme ça, il aurait pu se clipser, ça aurait été pas mal. On va mettre ça là comme ça. Ah, je peux compléter avec ça, parfait. Ah, ça m'a pas filé de tuiles par contre. Ah, je suis toujours embêté avec celle-là. Là, je valide pas. Je vais mettre ça dans ce sens. Ça me servira après. Alors je pense que la couleur doit aussi sûrement correspondre pour que ça fasse des placements parfaits. Là je peux fermer donc c'est pas plus mal. Et ouais effectivement vu que la couleur c'est pas forcément la même, ça doit peut-être compter dans les placements parfaits. Et pour le coup ça me met un petit peu dans le caca j'ai envie de vous dire. Là je voulais mettre un champ donc c'est pas plus mal. Des maisons, des maisons. Ok. Petit défi réussi, là, va falloir que je ferme maintenant. Pour la voie ferrée. Je sais pas si. Non, je peux pas clôturer. Je vais mettre ça comme ça. Là, faut que je finisse toujours l'autre. Donc je vais continuer à mettre peut-être de la forêt comme ça. Ouais, je vais venir fermer ici, je pense que c'est assez long. Même si ça fait pas tout le tour.
Donc là, c'est juste pas possible. Là, j'ai un bout de voie ferrée. Je peux peut-être venir fermer ça ici, dans le village. Comme ça, je viens mettre celui-ci de ce côté. Voilà, parfait. Là, j'ai 61 maisons à mettre. Je sais pas si je pourrais. Ouais, là, il m'en manquerait plus que 11. Je vais venir mettre ça là. Ah. Ah. Ah, je suis dégoûté. Putain, ça passe pas. Ça passe pas, il est de travers. Et l'autre, je vais pas le réussir, quoi. Je suis un petit peu embêté. Ça. Putain, depuis tout à l'heure, je l'attends la tuile comme ça. Et au final. Ça passe pas, quoi. Ça ne passe pas, messieurs, dames. Je vais mettre ça ici, puisqu'il faut que je complète ma forêt. Je vais venir mettre ça ici. Je vais pas avoir le choix, hein. Je vais devoir fermer. Ouais, c'est encore pire là. Sachant que j'ai aussi toujours ma petite lavande à finir de mettre ici. Là, je suis en train de m'étaler. Pourrais-je faire quelque chose de fantastique là? Peut-être repartir comme ça. Ils peuvent pas me mettre un tronçon comme ça, mais d'une seule traite qui va tout droit. Non, c'est pas possible. Ah merde, j'ai fini, c'était la dernière partie. Bon, je suis passé au-dessus déjà. Voilà un peu la tête du village, mais j'ai pas complété tous les défis, c'est dommage. J'avais des tuiles mystères aussi, j'aurais peut-être pu aller la chercher pour voir. On va se refaire une partie, si je vois une tuile comme ça, je vais essayer de construire dans sa direction pour la débloquer. Ok, c'est parti, je commence avec un bateau. Je vais mettre de la forêt de l'autre côté, un peu plus loin. Le champ par ici, histoire de pas me gêner, comme ça j'ai toutes mes options de chaque côté. Voilà, merci bien. Là, c'est complété aussi. J'ai de la forêt sur ma petite maison et une voie ferroviaire. Ok. J'ai débloqué quelque chose. Crack 2, collecté à 25 000 points au total. Bah écoutez, c'est fait. Et on a débloqué le barrage de Castor. Ok. Je sais pas, on avait eu un truc avec les castors la dernière fois aussi. Là, je vais clôturer. Je vais mettre ça dans ce sens surtout. J'ai peut-être pas fermé et clôturé ma voie ferroviaire. Je vais mettre ça dans ce sens. Et il me faut encore. Ah non, c'est un champ. Ok. Alors je vais mettre quelques habitations par ici. On va repartir par là. Voilà, merci bien, on va compléter. Là, ça va pas le faire. Ah merde! J'ai posé ma tuile ici, mais je me suis bloqué pour mon défi avec les champs. Ah, je suis dégoûté, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait gaffe, je me suis mis dans la sauce. Putain, je suis déçu. Ah, ok, donc là j'aurai une tuile pour aller par là-bas. Je sais pas si en y allant avec l'eau, ça va être terrible. Là, je peux pas la mettre. Bon, le seul endroit où je peux le mettre, c'est ici, donc je vais le faire. Je suis encore bloqué avec ma voie ferroviaire là. Je veux bien zoomer. Je vais peut-être pas mettre ça là sur le même tronçon. Là, ça va me bloquer. Ah, ça va me bloquer. Là, mes champs vont pas correspondre. Je peux peut-être partir dans ce sens sinon. De la forêt pour ici. On va finir. Comme ça, c'est fait. Là, j'ai le petit drapeau. Va falloir compléter. Là, il me faut qu'une seule maison. Alors, je vais mettre toute celle-ci par là. Ok, j'ai réussi mon petit défi pour l'eau. Là, j'ai un de ces bazars avec les rails à mettre.
faudrait que je foute mon petit champ. Alors là, il faut que j'en rajoute d'autres. Il faut aussi que je ferme. On va venir fermer par ici, hein. Je vais essayer de m'étendre là, ouais, pour descendre, ça n'a pas changé. Je vais peut-être commencer à foutre ça là. Je peux peut-être même venir mettre ça juste à côté. Là, j'ai de la voie ferroviaire. On va essayer de partir de ce côté pour essayer de rejoindre les deux tronçons. Ah, là, je valide pas. Si je viens là, je vais aller direct, donc autant le faire. Ensuite, petite maisonnette. Ah, j'ai une tuile qui sert à rien, je peux pas venir la mettre là, ok. Malheureusement, ça fait pas un placement parfait. On va se rajouter de la forêt. Et là, faut que je vienne fermer. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais on va essayer. C'est pas en mettant ça que je vais m'en sortir. Donc celui-ci, je vais le mettre de ce côté plutôt. Ah, je vais fermer là de ce côté. Voilà, merci. Et si je fais ça là, ça valide. Ok, ah, j'ai un bout de voie ferroviaire. Et un bout de petit. Un bout d'eau. Peut-être en mettant ça dans le village. Ah, sachant que j'en ai un autre morceau ici. Je sais pas si au final c'est la meilleure des choses que j'ai faites là en le plaçant là. Ok. Je crois que j'ai fermé mon petit drapeau. Donc on y est bientôt. Je suis en train de m'étendre avec toute cette flotte là, c'est quelque chose. Je veux bien que tu mettes les deux petites maisons ensemble. Donc là on voit le dessin construit vers ce point pour découvrir cette tuile spéciale. Oui. On y travaille. On y travaille, messieurs, dames. On va essayer de faire correspondre nos tuiles correctement. Je sais pas si c'est avec ma lavande au final que je vais venir m'étaler, mais bon. Là, je vais pas valider l'eau. Alors, j'ai un petit tronçon d'eau là. Je vais mettre ça ici. Ah, mais je valide pas après. Je vais mettre ça dans ce sens alors. Ah, je voulais faire correspondre mes petites maisonnettes. Ah, je peux peut-être faire ça comme ça alors. Voilà, parfait. Donc maintenant, faut que je ferme. Il faut que je ferme de l'autre côté. Ok. Ah, il me faut toujours une tuile avec une seule petite maison également. Il faudrait que j'arrive à mettre la main dessus. Ce serait pas mal. Ah, je vais peut-être mettre ça comme ça plutôt. Je vais venir compléter ça là comme ça. Ah, il me fallait une maison là. Par contre, ouais, je vais peut-être mettre ça de ce côté. Voilà. Et maintenant, c'est fermé. Ouais, c'est fermé en même temps. Donc là, il faudrait que je ferme ma forêt. Et là, il faut que je fasse un maximum d'habitation. Ah, je pourrais faire ça de ce côté. Je vais peut-être venir faire ça là. Ça ira beaucoup plus vite. Ah, je peux peut-être venir mettre ça là. Essayer de rejoindre mes deux tronçons. Je peux. Non, j'ai peut-être pas fermé ma voie ferrée comme ça là. Ah, je peux peut-être enfermer un tronçon. Non, même là, je peux pas. Et là, je peux pas non plus. Je peux peut-être fermer celui-ci. Voilà, comme ça c'est fait. Ok, là je peux fermer ma voie ferrée. Nickel, comme ça poursuit tout le long là, c'est plutôt cool. Faudrait que j'arrive à fermer ceci également.
Voilà, parfait. Placement parfait. Nickel. Alors, j'en ai pas eu beaucoup ces derniers temps, donc bon, autant en profiter. Et là, je sais pas ce que je vais faire de ma voie ferrée. Peut-être repartir de ce côté. Faut que j'arrive à venir fermer ici également. Ah, il y a un endroit où j'avais des maisons à poser. Donc on va venir mettre ça, ouais, dans le sens. Petit champ de lavande. Et donc là, bah ouais, je sais pas avec quoi venir. Hein. Je vais peut-être pas mettre ça. Ouais, comme ça correspond pas forcément. Alors, on va mettre ça ici. Ah, il me reste 55 tuiles. Donc, ma voie ferrée. Putain, faut que j'aille partir. Enfin, faut que je m'étale comme ça là. Je peux pas foutre ça dans un petit trou, non. Ma voie ferrée va pas là. Je pourrais foutre ça ici. Mais ça correspond pas forcément. Parce que le but ici, c'est que toutes les faces des tuiles correspondent. Voilà, c'est un peu compliqué. Vive les puzzles. Bon, après ça se fond un peu plus ici. Je vais galérer après avec l'eau. C'est aussi ça le problème. Ça m'aide pas du tout quoi. Et là je peux pas. Parce qu'il me faut 7 tuiles et là il y en a plus. Écoutez, je vais essayer de mettre ça. Tant pis, j'ai pas trop le choix quoi. Je vais essayer de bifurquer par ici. Ah, la forêt, je peux peut-être faire ça comme ça me simplifiera la vie. Ah, de l'eau. Je vais venir mettre ça là comme ça. Maintenant, il faudrait que je mette deux tuiles pour fermer ici. Ah, là, ça va pas correspondre, mais bon. Bon, après, à un moment donné, j'aurais pas forcément le choix. Hein. Bon, là, voilà, c'est pas un placement parfait, mais bon. Faut que je commence aussi à penser à fermer, ce qui serait en soi pas mal. Et je vais pas avoir trop le choix. Ah, je pourrais peut-être même faire des petites marques comme ça. Donc, lui, je vais lui mettre ça ici. Il voulait de la voie ferrée. Putain, c'est. Je vais mettre celle-là là. On va finir nos habitations. Et je peux peut-être me foutre un tronçon de forêt comme ceci. Là, ça correspond pas. Je vais venir là. Donc là, il faut que je fasse 71 petites maisonnettes. 71 maisonnettes. Je peux peut-être commencer en mettant ça là. Je sais pas si j'ai un drapeau dans le village là. Non, ils m'en ont pas mis. Donc j'ai pas besoin de venir fermer. Là par contre, faut que je ferme l'eau. Faut que je ferme l'eau. Je vais foutre ça là. Je vais mettre ça ici. Océan. Forme une étendue d'eau d'au moins 30 segments d'eau. Ah, j'ai même pas vu là. Terminer 5 sessions avec moins 5000 points. Bah, il m'en manque plus qu'une. Et former une ligne de chemin de fer d'au moins 25 voies ferrées. Ok, on va essayer. Donc là, collecter bateaux. Alors, j'avais déjà des bateaux, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ils veulent que je pose un tas de champs. Ça va m'étaler sur tout le long, mais après. Après, il va falloir que je vienne m'étaler du côté de l'eau et ça va pas être terrible. Et surtout pratique. Ah, je vois pas du tout où je vais pouvoir venir m'étaler. Ah ouais, c'est un peu la galère là, les jeunes. Je vais même pas profiter de champs que j'aurais déjà mis. Ah, je vais venir mettre ça là comme ça. Hein. Enfin là, après avec l'eau, je vais être embêté quoi. Je vais me mettre de ce côté. Et je vais venir à commencer à m'étaler dans le sens. Hein. Là, ça correspond pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Là, faut que je mette des hectares de forêt. On va continuer.
Voilà, merci bien. Et là, je valide pas. Alors, je vais venir fermer ici. Voilà, comme ça, c'est fermé. Et je suis tranquille. Je suis tranquille. Donc, on va mettre la pelouse de la même couleur. Voilà, comme ça, je vais pouvoir compléter avec les maisons qui doivent correspondre. Là, je vais me fermer mon petit champ. Ok, on a rajouté de la forêt. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, il faudrait que j'arrive à la fermer. Pareil pour l'eau. Va falloir commencer à fermer. Si je fous ça, je risque d'être peut-être embêté avec la voie ferrée. Je pourrais venir mettre ça là comme ça. Voilà, en plus, j'ai fait un placement parfait. Donc, c'est nickel. C'est nickel. Donc là, faut que je pense à mes maisons. Mais c'est pas avec le peu de maisons que j'ai là que ça va marcher. Là, il m'en faudrait 11. On va mettre ça comme ça. Là, je vais m'embêter avec les champs, donc c'est pas la peine. Là, je fais pas valider. Là, je vais venir mettre ça là. Ah bah écoutez, ouais, je continue un peu ma petite progression. Ah, la voie ferrée, 25 voies, morceaux de voie ferrée. Je peux peut-être venir m'étaler comme ça, hein, vu qu'il y en a déjà pas mal. On va peut-être essayer de remplir au moins ce petit challenge de ce côté. Et il faut que j'arrive maintenant à fermer toute ma forêt. Ok, j'ai fermé ça. Ça m'a refait un placement parfait. Comme ça, je suis tranquille. J'ai plus qu'à aller fermer et clôturer les étendues d'eau qu'il y a de ce côté. Faut pas que j'oublie que j'ai aussi un gros champ à faire de ce côté-là. On va mettre ça ici. Et puis, bah, justement, hop. Par contre, ouais. Je passe des coquelicots à. Ah, du gazouillis de blé là et bon, j'ai pas trop le choix. Ok, Emur, j'ai bien étendu mon réseau ferroviaire. Par contre, je commence à être en galère de tuiles là. Là, faut que je mette 40 morceaux de. Enfin, 40. Ah ouais, attendez, 40 courants d'eau. Tout à l'heure, quand je l'ai clipsé par là, je pensais qu'il m'en fallait que 7. Et en fait, il m'en restait 7 à mettre et je l'ai mis là. J'aurais peut-être dû le mettre ici, et ça aurait été beaucoup plus rapide, sachant que là faut que je ferme. Donc je suis pas loin du résultat, mais c'est pas encore ça les jeunes, et ça me prend un temps. Ça me prend un temps fou. Ah, faut que je fasse une forêt de 418. Ah, bah, j'ai au final fait la bêtise de pas mettre ça de ce côté. Je commence à être un peu moins vigilant sur ce que je fais. Et c'est pas forcément bon. Ma voie ferroviaire, je vais continuer à l'étendre. Je suis pas. Je sais pas combien je suis. Ouais, bon, ça va être fait. Ah, il m'en manque 4. Putain, il m'en manque 4 pour la voie ferroviaire. Là, il m'en manque un pour l'autre là-bas. Ah, il en faut qu'un seul. Il en faut qu'un seul. Ok, il me faut qu'un seul tronçon de. Je vais foutre ça là et je vais quand même essayer de fermer histoire de mettre des points là parce qu'il me reste 3 tuiles. Il me reste 3 tuiles. Faudrait que j'arrive à les placer de toute façon. Putain, même là j'aurais bien voulu combler ou même là avec la voie ferrée. Faudrait que j'arrive à les poser là où ça me fout un maximum de points mais. Bon, déjà les habitations ça va être mort. Ça va être mort, ça va être mort. C'est vrai, c'est un sacré challenge qui nous demande à côté quoi. Quoi que je peux peut-être valider celui-ci là déjà. Là ça m'a filé quelques tuiles bonus. Là il faut que j'en mette je sais pas combien des tronçons d'eau, ça va être un peu compliqué. Je peux peut-être essayer de venir mettre ça là pour fermer. Là la forêt. Voilà, je regagne quelques tuiles. Merci bien. Maintenant, faut que je la ferme. Celle-là, je pourrais la foutre en plein milieu comme ceci. C'est pas un placement parfait, mais c'est toujours ça de pris. C'est toujours ça de pris. Putain, par contre, là, les tuiles, ça c'est parti aussi vite que c'est revenu. C'est parti aussi vite que c'est revenu. Ça ne m'aide pas du tout. Et là j'ai quoi un bout de lac. Est-ce que. Putain je peux même pas le mettre. Je peux même pas le mettre là quoi.
Ah, c'est un peu chier. Ah, c'est un peu chier. Est-ce que je peux pas les foutre là en pleine nature? Ah, je fais correspondre à la forêt, c'est déjà ça. Là, j'ai un gros morceau de forêt. Il fallait que j'en mette une immense ici. Donc, c'est parti. Ah, là, il fallait que je foute des habitations. On va faire ça comme ça. Là, je peux toujours pas fermer avec mon petit bout d'eau. Là, je peux le mettre que dans un sens ou dans un autre. On va venir fermer ici. Alors, est-ce que celui-là, je pourrais venir le mettre? Ouais, sauf que c'est pas fermé parce qu'il y a plein de chemins qui sont pas obstrués. Donc, tu as la voie ferrée. On va venir de ce côté. On va leur faire faire le tour là, du pâté de maison si on peut. Ah, il m'en manque encore 3. Il me reste plus qu'une seule tuile, les jeunes. Ah, c'est juste mort. Bah, je vais la mettre là, hein. J'ai à mettre là, j'aurais débloqué un moulin avant. Apparence débloquée, ouais. Ok, bah écoutez, c'était pas top top. Putain, j'ai pas fait plus de 10 000. Écoutez, je vais me relancer une. Attendez. On peut peut-être se faire un autre truc. Je vais faire. Non, je veux pas faire réessayer. Activer l'interface. Ouais, sauvegarder si tu veux. Ça va pas me servir à grand-chose. Et si je fais réessayer, je vais atterrir ici. Moi, je veux mes parties. Mode personnalisé, mode difficile, mode rapide, mode créatif, mode classique. Je veux pas jouer le tutoriel, je veux essayer le mensuel là. Nouvelle partie. Ok, mensuel. On va tenter de voir ce que ça a donné. Je sais pas si c'est celui que quelqu'un a créé ou quoi aux caisses, mais on va tenter. Moi, je vais essayer de faire le plus beau de tous les villages et je suis pas sûr que là on ait des objectifs parce que ça a l'air d'être juste de poser de la tuile. Ah si, on a les petits challenges au-dessus, mais là on n'a pas les on n'a pas les autres encarts. Ok, mur, on va poser le petit moulin qu'on a récupéré. Je vais poser ça à côté de la petite maisonnette. Là, faut que je fasse des champs immenses. Faut que je ferme mon petit village aussi à côté, donc je vais mettre ça comme ça. Là, je suis en train de partir dans tous les sens avec mon voie ferroviaire. Donc là, il y a de la forêt, je vais mettre ça de ce côté. Je suis désolé si on entend un camion qui passe en bas de chez moi. Je vais pivoter ça, même si ça correspond pas au champ. Là, je peux pas venir mettre ma petite maison, donc tant pis, je vais partir comme ceci. Là, je peux peut-être venir fermer même si ça joint pas, quoique je peux me mettre de ce côté. Là, je peux me mettre de ce côté, essayer de venir clôturer peut-être plus par là dans ce cas-là. Là je vais fermer ma forêt de ce côté. Placement parfait, nickel, ça me fait plaisir. C'est toujours ça de pris parce que là c'est un peu, bon, je vais pas dire c'est la lutte, mais je suis parti un peu dans tous les sens pour essayer de faire correspondre mes petits champs là. Donc là, placement parfait, ça me fait plaisir également. Là, j'ai un bout de voie ferroviaire qui me fait partir en zigzag. Au moins, ça là où c'est fait. Je vais mettre ça de ce côté. Comme ça, j'ai tout fermé là normalement. Ouais, voilà, parfait. Ah, ils me mettent un spot d'eau. Ils me mettent un spot d'eau. Je sais pas où est-ce que je vais me foutre mon spot d'eau. Peut-être pas près de la rivière. Peut-être pas non plus dans les terres. Ça va être compliqué. Je vais me mettre ça. Je vais mettre ça là. Et là, j'ai encore de la voie ferroviaire. Putain, c'est un truc de fou finou, hein. Je sais pas où il est parti avec son délire, bah, la personne qui a fait ça. Mais si c'est bien un joueur qui a créé et édité ce challenge, c'est quelque chose. Ah, je suis déçu, j'ai un embranchement, je peux même pas le poser ici. Pourtant, il y a deux voies qui pourraient se rejoindre et la troisième qui part par là, mais ça veut pas. C'est abusé. C'est abusé. Bah, je vais foutre ça par là. Dans ce cas-là, vu que j'ai une petite maison, je vais faire un village par là-bas. Là, il me manquerait du champ. Donc, on va se valider tout ça. Et je vais me foutre ça ici. Ah putain, je vais peut-être mettre ça de l'autre côté, j'ai pas de moulin. Voilà, merci bien. Un bout de terre.
Ah, là, je peux faire correspondre. Ah, ok, c'est reparti, messieurs-dames. Je fais avancer tout ça. Il n'y a pas de tuile magique, d'ailleurs? Non, il n'y a pas de tuile magique, là. Ok, les jeunes, j'ai récupéré un max de tuiles en fermant mon village, là. Je suis à 101. On est plutôt bien. On est plutôt bien. Je vais mettre ça, là, pour faire ce village-là. Là, il me manquerait un tronçon de rail. Et j'ai loupé un défi là, il manquait un. J'ai bloqué un champ et j'ai bloqué le total que j'aurais pu mettre. Donc là, je vais en annuler un si je viens ici. Ah, faudrait que je mette ça de ce côté. C'est bon, je ne sais pas faire joindre les deux. Ah, je vais mettre ça là comme ça, tant pis. Là, faut que j'agrandisse mes bâtisses. Je vais mettre ça comme ça. Comme ça, là, je pourrais faire de la forêt. On va fermer ça. Là, je vais mettre ça de ce côté. Peut-être me mettre ça là, comme ça plutôt. Les rails. Voilà, merci. On va repartir par ici. Et on va essayer de tout fermer. Putain, ils me remettent un truc avec de la flotte là. Je vais mettre ça près de la voie. J'aurais peut-être même pu m'en servir pour la. Pour Ok, là c'est 18. Là j'en annule un. Et là c'est bon. Alors je vais mettre ça là. Ah, il m'en faut combien? 5 là. Je vais repartir de ce côté. Et il me faut 20 maisons. Là ça passe pas. Ok, je vais valider de ce côté en mettant ça là. Ça me refait d'autres tuiles. Ok, j'ai fermé ma petite forêt. J'ai récupéré deux nouvelles tuiles. Ça, je peux peut-être me le foutre là. Ça, je fermerai au dernier moment quand j'aurai complété tout ceci. Et puis, mon petit champ, il faut que je le ferme là. À un moment donné, ce serait peut-être pas mal. Ce serait peut-être pas mal. Je vais me foutre ça là comme ça. La forêt, je vais faire pareil. Merci bien. Ça va être un peu trop gros. Je vais le foutre de l'autre côté. Ah non, là, ça m'invalide un truc. On va mettre ça là-bas. De la voie ferrée. J'ai pas trop le choix. Je peux pas pivoter dans tous les sens non plus. On va venir mettre ça ici. Attends, j'ai un truc d'accès là. Je vais le mettre là. Ah, là, j'ai juste une maison. Alors, je peux peut-être commencer à venir fermer là dans le coin. Putain, 26 champs, les jeunes. Je vais devoir m'étendre à tous les coins de la rue là. Ok, il y a de la voie ferrée. Ok, ça en fait déjà 1 sur 3. Ensuite, de ce côté. Ah, merci bien, là on va mettre un peu de four. Ah là, ça invalide, ok. Ah, si c'est invalide, nous allons partir de ce côté. Là, je vais fermer là comme ça. Ok, placement parfait. Ok, placement parfait et c'est fermé. Donc maintenant, il faut que je clôture tout mon village. Alors, je crois que ça va être clôturé juste ici. Et là, faut que je remette du champ. Alors, je vais venir mettre celui-là ici. Ok, j'ai fermé mon champ et j'ai fait un placement parfait juste avant. Donc c'est nickel. Là il me faut. Ouais, si je mets une maison, après il va en manquer une. Si je mets ça, est-ce que ça ferme? Ça va peut-être fermer, mais ça va pas être joli. Ça va pas être joli.
Et après, si je mets ça là, va falloir que je ferme sur trois axes. Là, il y a trop de maisons. Faudrait que je vienne compléter avec des tuiles aussi ici, là. Mais dans l'idéal, ce serait bien c'est qu'elles correspondent à minimum. Ah, je vais mettre ça là. Hein. Là, je vais fermer que sur deux axes. Ah, là, il y a de l'eau. On va mettre ça ici. Là, il faut que je refasse une méga forêt. On va venir par là. Ah, là, je me tape de la voie ferrée. Et des habitations. Ah, si je mets ça là, après, il va me falloir un embranchement. Et si je mets ça là, il m'en faut 8. Est-ce que ça va valider? Ça a l'air. Terminé. Ah, c'était ma dernière tuile. Ah, j'ai fait que 1070. Bah écoutez, c'était pas top top. Non, je veux pas réessayer. Non, je veux pas annuler les jeunes. Putain, c'est quoi leur délire après pour repartir mes parties? Je veux retourner au menu principal, moi. Mes parties. Parties sauvegardées. Ok, il me reste 137 tuiles. Ah bah écoutez, ouais, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas trop comment c'est leur machin là, parce que mes parties, parties sauvegardées et tout. Le tutoriel c'est bon, là j'ai des parties qui sont sauvegardées, mais je sais pas si c'est celles que j'ai terminées. Là c'est le mode créatif, là c'est le mode rapide. Là ce mode procure une partie courte et rapide, tente de battre ton meilleur score en collectant le plus de points possible. Avec un nombre de tuiles limité. Bon, on essaiera de faire ça la prochaine fois. On testera aussi le mode difficile. Comme ça, on fera rapide et difficile. La mensuelle. Bah ouais, je comprends pas. Ils m'ont remis mon truc là. Alors que j'étais arrivé au bout. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. C'est un peu bizarre même. Parce qu'on venait de terminer. On venait de terminer. Bah écoutez, ouais, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Moi, je vais reprendre. Ouais, voilà. Je vais remettre ça ici, mais je vais pas faire réessayer. Et je comprends, je mets ça là. Ils me disent que c'est terminé. Alors, je viens de poser une tuile. Je peux peut-être. Ah, ça, c'est peut-être pour annuler la tuile. Mais c'est chelou. Et si je la mets ailleurs? Si je la mets ailleurs. Parce que là, je fais. Ouais, je vais finir mon défi, mais. Ouais, si je mets ça là, je fais 7960. Et si je mets ça ici, je fais plus de points. Activer l'interface, configurer mode créatif, sauvegarder. Et je peux après réessayer en recommençant depuis le début. Écoutez, voilà, cette fois c'est la bonne. On va s'arrêter là. J'espère que ce petit épisode vous aura fait plaisir. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et survivez bien. Excellent! Il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.